Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Amen. Je reprends. Je veux dire trois choses me concernant. On dit, un, son cœur grandissait dans les voies de Dieu. Dans les voies de l'Éternel. Et ici on dit, Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Troisième chose, on dit, Josaphat eut d'abondance, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Josaphat, chapitre 18, verset 1er. Josaphat, soyata, sopido, eni, gonfla, adopo, gonfla, polopidoko. Amen. Amen. J'ai dit amen au peuple de Dieu. Frère, je vais te dire un secret. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. On dit le cœur de Josaphat grandissait dans les voies de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans les choses de Dieu, spirituellement, Josaphat faisait du progrès. Sa foi pour Dieu augmentait. Son amour pour Dieu augmentait. Son zèle pour les choses de Dieu augmentait. Il grandissait dans le service. Frère, nous, les chrétiens modernes, au lieu de grandir, de faire du progrès, nous régressons. Et frère, quelqu'un qui prospère spirituellement, sa prospérité spirituelle doit se voir dans les autres aspects de sa vie. Je ne crois pas dans la spiritualité de quelqu'un qui dit qu'il grandit
grandi spirituellement ou qui fait le spirituel, mais on ne voit pas ça sur les autres aspects de sa vie. Parce que Josaphat grandissait dans les voies de Dieu. La Bible dit, il se levait au même moment au plus haut degré de grandeur. Frère, je crois que notre Dieu élève en grandeur ses enfants. Pour qu'il en soit ainsi, vous devez grandir dans la voie de Dieu. Votre amour pour lui, au lieu de diminuer avec le temps, doit augmenter. Le zèle et l'empressement que vous avez pour la maison de Dieu, au lieu de diminuer, de s'éteindre, doit augmenter, doit grandir. Frère, je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui. Frère, le problème dans la vie n'est pas une raison pour s'éteindre spirituellement. La Bible dit que quelque part dans le monde, tes frères ont les mêmes problèmes. Je vais au contraire, c'est quand nous avons des problèmes que nous devons nous attacher davantage à Dieu. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, tu es en train de te condamner à vivre dans ce problème-là pour toujours. Lève la main, tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, à partir de maintenant, donne-moi un cœur et un esprit qui grandit dans tes voies, dans tes choses, dans ta connaissance, dans la foi, dans ton amour. Seigneur, je veux grandir. Dieu veut t'élever. On dit, Josaphat a été élevé au plus haut degré de grandeur. C'est-à-dire, quand on va parler d'élévation de roi, il n'y a pas un roi qui a été élevé et Josaphat n'a pas atteint son niveau. Dans ton domaine, Dieu veut aussi t'élever au plus haut degré que quelqu'un de ton domaine peut atteindre. Que quelqu'un qui fait ce que tu fais peut atteindre. Dieu peut t'élever à ce niveau. Mais tu dois grandir spirituellement. Et au verset 18, chapitre 18, verset 1, on dit, il eut d'abondance, richesse et de la gloire. Lève la main, donne-moi un cœur et un esprit qui grandit dans tes choses. Je veux que tu sois sincère. Lorsque tu vas commencer à grandir dans les choses de Dieu, on va remarquer ça dans tous les autres domaines de ta vie. Comme Dieu l'a fait pour Josaphat, dans la société et dans ce que tu fais, parmi les hommes, Dieu va commencer à t'élever. Il va t'amener à une nouvelle dimension dans ce que tu fais et dans la vie. Dis, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un cœur et un esprit qui grandit dans tes choses. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un cœur qui grandit. Un esprit qui grandit dans tes choses. Qu'on grandit dans la compréhension. Grandit dans la compréhension. Grandit dans l'obéissance. Grandit dans l'engagement. Frère, prie ainsi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère. Je suis révolté, sur-révolté, pas contre toi, mais peut-être contre ton attitude, peut-être contre ta manière de faire les choses, qui me semble être une coopération avec l'ennemi pour te garder dans le statu quo. Donc, bien-aimé, j'ai commencé à vous parler de comment sortir du statu quo. Et nous avons dit la première chose pour sortir du statu quo, c'est de réaliser que nous avons le statu quo dans un domaine de notre vie ou dans notre vie. Alléluia. Frère, si nous prenons Daniel, le livre de Daniel, chapitre 9, verset 2, Daniel,
Alléluia. Amen. À cause de mon temps, j'irai vite. La Bible dit la première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler. 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Dieu a dit, on n'a pas le temps pour lire, prenez Jérémie 25, verset 11. C'est là que Dieu a dit que Israël ira en captivité. Mais sans problème, sa captivité va durer 70 ans. Les 70 ans sont arrivés. Et ce que Dieu a dit n'est pas en train de se réaliser. Vous me suivez bien? Et Daniel, en lisant la Bible, est tombé sur le livre du prophète Jérémie. Et il a découvert ce que Dieu a dit par rapport à la situation d'Israël. Frère, 70 ans en captivité. J'ai dit aux gens à Portugal le jeudi passé que le statu quo d'Israël a commencé lorsque les 70 ans sont arrivés et ce que Dieu a dit ne s'est pas accompli. Dans les 70 ans, ce n'était pas le statu quo. C'était juste quelque chose de normal. C'est ce que Dieu a dit qui est en train de se passer. Mais après les 70 ans, la situation a continué comme ça. Et lui, il a vu que non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il a commencé à prier. Donc la première chose pour sortir du statu quo, c'est de réaliser que dans notre vie ou dans un domaine de notre vie, nous sommes rentrés dans le statu quo. Quelque chose d'anormal est en train de se passer qui dure dans le temps. Vous êtes avec moi? Quelque chose d'anormal, figé, invariable, qui ne change pas dans le temps. Alléluia. Frère, deuxième chose, nous avons dit, amen, quand nous réalisons que le statu quo a commencé, il faut refuser le statu quo. Refuser le statu quo et prendre la décision, la détermination de sortir de ce statu quo. Quand Daniel a réalisé ça, il est rentré dans le jeûne. Dans un jeûne de 21 jours. 21 jours. Sans manger. 21 jours. Dans le deuil. Il a refusé les plaisirs. Il a refusé tout ce qui est bon. Pourquoi? Il veut que Dieu intervienne pour changer quelque chose. Frère, écoute-moi. C'est ce que Dieu fait ou ce que Dieu donne qui va changer ton statu quo. Si Dieu ne fait pas, ça ne changera pas. Ou s'il ne donne pas, ça ne changera pas. C'est ce qu'il va te faire ou ce qu'il va te donner qui va changer ta situation. Et parfois, pour que Dieu le fasse, nous avons besoin, comme Daniel, de recourir à la prière avec décision et détermination. Dans Daniel 10, à partir du verset 2, quand Daniel priait, Dieu a envoyé un ange que j'ai appelé l'ange messager de la bonne nouvelle. Pendant qu'il priait, la solution à sa prière qui va changer la situation d'Israël sur la terre, Dieu a envoyé. Mais la Bible nous dit que cet ange qui apportait la solution a été bloqué dans les airs. Il a été bloqué dans les airs. Et la réponse ne pouvait pas venir. Listen, viens, lève-toi. Écoutez-moi. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est lui l'ange messager. C'est elle plutôt l'ange messager. Qui apporte la réponse? Qui va faire sortir Israël de la captivité? C'est Israël là-bas. Israël est entré dans le statu quo. Depuis la fin des 70 ans. Et il faut que Dieu fasse quelque chose. Daniel est en train de pomper sur la terre. Viens. C'est toi, Daniel. Maintenant,
le prince de Perse. Le prince satanique qui ne voulait pas que Israël échappe. Il est venu s'interposer pour empêcher l'ange d'aller là-bas. Frère, suivez-moi. Quand moi je lis la Bible, c'est un ange. Et Dieu ne peut pas envoyer n'importe quel ange. Pourquoi l'ange n'a pas combattu le prince de Perse pour le dégager de son chemin? Pourquoi ses mains étaient occupées par la réponse qu'il apportait? Il ne voulait pas déposer non plus. Parce qu'il déposait ça, un autre esprit mauvais peut venir prendre la chose et c'est terminé. Alors il dit, ce n'est pas grave, j'attends. Ce qui va se passer dans la suite dépend de celui qui est en train de prier sur la terre. Hey. Église, vous me suivez? Daniel pressait. Ah ah, ça va changer. Ça ne t'honore pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça ne t'honore pas. Il priait. Mais tu es Dieu. Nous, écoutez, il dit, nous avons péché. Mais tu es miséricordieux. Tu es notre Père. Ce n'est pas à cause de nos péchés que tu vas nous laisser dans la main de nos ennemis. Mon frère, je veux dire, même si c'est ta folie qui a mené ça, Dieu, dans sa miséricorde, et à cause de ses entrailles de paix, il va intervenir en ta faveur. Nous avons péché. Nous n'avons pas écouté ta parole. Écoutez les confessions de Daniel. Parce que Daniel précède de l'avant. Dieu en haut prend la chose en main. Si tu déposes, quelqu'un va prendre. Un démon viendra chercher ça. Donc, Dieu a envoyé Michael. Quand Michael est venu, les mains vides. L'autre a la réponse en main. Quand Michael est venu, il y allait. Quitte. Amen. Allez, quitte. Cède le passage. Il a cédé le passage. L'ange est venu. Et l'ange lui a dit, Daniel, homme bien-aimé, depuis le premier jour que tu as compris que le peuple est entré dans le statu quo, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de ne pas seulement comprendre, mais de faire quelque chose par rapport à ça, la réponse a été envoyée. Mais j'ai été bloqué. Frère, une chose est de comprendre, mais après avoir réalisé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et jusqu'où tu as fait ça? Frère, nous nous laissons trop aller au découragement. 21 jours. Si je vous lance une convocation maintenant pour 21 jours, pour finir avec le statut, combien parmi vous vont répondre présent jusqu'à la fin des temps? Et combien? Et combien? On va venir au premier jour, manquer, venir au septième jour, sauter dedans, venir au neuvième jour, sauter dedans et venir au onzième jour. Frère, ce qui se passe avec nous, c'est notre manière. Si tu peux comprendre ce que je dis aujourd'hui, écoute, si ton enfant dans ta maison refuse de manger maintenant, 21 jours. Et maintenant, après 21 jours, pour un titre, vous baillez. Amen. Donc, nous devons prendre la décision, la détermination de finir avec ça. Troisième chose, être prêt à faire le sacrifice, à payer le prix qu'il faut pour finir avec. Être prêt à faire le sacrifice, à payer le prix qu'il faut pour finir avec. Frère, Anne a payé le prix et 14 ans de stérilité a pu faire. Un seul jour de fête
Pendant que tout le monde fêtait, se réjouissait. Elle a dit, pour moi, ce n'est pas un moment de fête pour moi dans le statu quo. Ils vont nous au pacor. Les situations ne sont pas les mêmes. Vous fêtez, mais moi, j'ai quelque chose à régler avec mon Dieu aujourd'hui. Pendant que les gens dorment, si tu peux rester en éveil. Au point du jour, quand les gens vont se réveiller, ils vont se réveiller dans ton miracle. Frère, priez. Cessez la distraction. Pendant que tout le monde marche, ferme les portes de ton vase. Écoutez, ça fait 92 ans aujourd'hui, juillet 92 ans aujourd'hui. Ça fait combien? 27 ans que j'ai rencontré Jésus. Que je suis né de nouveau. Mais il n'y a pas un jour de réunion comme ça où j'ai manqué la réunion. Boya, un temps. Et même si je sors très très souvent, je cherche toujours quelque chose où je vais, quelque part où je vais à l'église. Et pendant les 27 ans, je n'ai pas trouvé de maladie qui va m'empêcher de venir à l'église. Pas lui là va t'empêcher de venir à l'église. Les maux de tête vont t'empêcher de venir à l'église. Yes. Quel chrétien tu es? J'ai mal aux pieds, les choses petites comme ça, tu vas pas prendre cet amour de les prendre. Pourquoi? Je ne sais pas quand Dieu va faire. Je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour la réunion qui est là. Frère, en manquant les réunions, vous pouvez manquer un rendez-vous avec Dieu. Vous pouvez manquer la solution de Dieu pour vos problèmes. Un chrétien engagé ne manque pas les réunions. Ne vient pas à l'église car il a le temps. Il y en a maintenant la pluie, quelle pluie? Quelle pluie? Frère, je prends le Dieu qui est en haut à témoin. Quand j'étais comme vous, sans voiture, sans moto, si je peux trouver un sachet pour ma Bible, je suis à l'église. Amen. Je dis sachet pour ma Bible, je ne parle pas de moi. Je suis mouillé dedans et j'entends la prédication jusqu'à ce que la Bible là se sèche sous mon corps. Ce que Dieu fait avec quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Frère, ce que Dieu fait avec quelqu'un n'est pas un hasard. Ça dépend de ce que toi-même tu fais avec lui. La place que tu lui as donnée dans ta vie. Frère, déclasse le Seigneur, il va te déclasser. Déclasse-le, lui va te reclasser. Remets-le à la première place dans ta vie. Et tu verras ce qu'il va faire avec toi. Frère, écoute, à partir d'aujourd'hui, Dieu d'abord. Remets Dieu en priorité. Et tu verras que avant de faire pour tes semblables, à cause de la place que toi tu lui as donnée, frère, les autres seront témoins d'abord de ce que tu as fait dans ta vie avant que pour eux ne commence à se passer. Il y en a mon toi. Toi, l'on en a ici. C'est pour toi qui va donner la foi. Prenez Dieu au sérieux. La pluie comment? Est-ce que la pluie nous empêche d'aller au boulot? Non, dites-moi ça. Qui de vous, parce qu'il pleut, ne pas aller au service? Ton service est plus important pour toi plus que ton Dieu. Dis à quelqu'un c'est qu'elle a fait ça. Lève-toi sur tes pieds, on va s'arrêter là.